Salut tout le monde, c'est R4. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la saison 2 de The Ninja. Je suis en compagnie d'un nouveau ninja qui s'appelle The Quantacraft. Bonjour The Quantacraft. Bonjour. Donc, normalement, j'ai pas envie de venir au sujet parce que ça va m'agacer. Normalement, je devais faire cette saison avec quelqu'un d'autre. Pas avec le ninja précédent, mais avec son frère. Et je préfère pas en parler. Surtout que, C'est très bien. on a commencé à tourner même, mais tout était gâché, tout était pourri, il n'y avait que des bugs, et puis après ça arrêtait pas de se plaindre dans tous les coins, donc je préfère tourner avec The Quantacraft, c'est plus sûr. Alors, nous nous retrouvons dans le temple du dragon électrique pour cette saison 2. Alors, est-ce que tout va bien en bas? Je tourne. Oui, tout va. T'es où? Ah, t'es là. Là. D'accord. Donc, je t'ouvre des panneaux sur les côtés. Je vois. La porte s'ouvre. La porte se referme. Vous devez sûrement comprendre le principe de The Ninja, tout le monde doit connaître. Donc le Master Chen n'est toujours pas... Mais t'es resté bloqué? Mais je vois rien, c'est normal. Elle faut se dépêcher quand même, hein. Bah oui, mais je vois rien. Ah bah. C'est ça, PC2M. C'est bon? Ah bah je vois rien. Mais non, mais... Tu descends. Ouais. Descends, continue à descendre. Avance. Avance. Allô? Oui, bah j'avance. Bon. Encore un truc qui va m'énerver. Bouge pas. Je sens que ça va me casser les couilles, ce truc-là. Désolé pour la grossièreté, mais ça m'énerve. Bah avance. Tu la lumière. Ah c'est bon. Voilà. Waouh. T'étais dans le trou, hein. Oui bah j'ai pas vu. Bon, tu te mets sur un des tapis qui se trouve. Bah tu te masses. Tu connais le. Cousin Robot n'est toujours pas là, bien sûr, même si c'était celui qu'il fallait sauver en saison 1. Bon, alors, tu n'entres pas par la porte qui va s'ouvrir. Hein. Bonjour. Alors, lui, vous l'avez remarqué, c'est le skin qu'il utilise dans la Cité d'Or, mais malheureusement, comme on est sur une craft, les skins, je ne comprends pas pourquoi, mais il faut attendre 24 heures, voire 48, pour que le skin fonctionne. Donc, et ben, tout simplement, je vais te montrer ta chambre, donc tu ne bouges pas de là. Ta chambre est au premier étage. Prends les escaliers sur les côtés du bâtiment. À côté. Non, sur les côtés. Oui, la gauche, droite. N'importe, pareil. Bon, attends, je vais t'éclairer. T'es où? Là, avance. Ah. Non, mais il y a de la lumière, t'inquiète, vas-y. Non. Ta chambre est là. Déjà, le nom voilà, est... Ton costume est sur les murs. Donc, t'as un beau balcon, là. Regardez, donc ça, ce sera une épreuve. Oh. Donc, on se retrouve à la première épreuve. C'est bon, commençons la première épreuve. Est-ce que tu es dans la grande salle? Il m'approche. Ah c'est bon, mais je vois la grande salle, mais comment dire. Ah non. Tout le monde est excusez-moi, il s'était planté.
Par ici. Nous allons nous diriger vers la première épreuve. Et donc c'est ici qu'on aura la fameuse finale. Par ici, jeune homme. Donc nous commençons avec un mini-jump, le jump du pommier. Allez, suivez-moi. Il y a de la lumière. Voilà, tout simplement. Alors, non, ne monte pas plus. Voilà, ici. Donc, le but est très simple. Alors, toi, tu restes là, moi, je monte en haut. Mais attends, Alors, le but est très simple. Tu vas sauter sur tout simplement sur les bambous. Mais si tu tombes, tu prends par la droite et tu remontes par la porte en fer. D'accord? D'accord. C'est parti. À partir du dès que tu arrives sur le ta sur le sur le bambou où il y a le tapis rouge, et bah t'as le droit de recommencer là si tu tombes. Allez, c'est parti. Concentre-toi bien. Donc on a un caméraman, pas 17. On verra bien si on peut l'utiliser. Là, c'est un bug de... Ah bah bien. Ah non, pas bien. N'oublie pas, si t'arrives sur le bambou où il y a de la laine rouge, où il y a un tapis de laine rouge, bah tu peux respawner. Tu peux retourner là si tu tombes. Concentration. C'est la toute première. Sans compter qu'il y a un jump beaucoup plus difficile. En même temps, on est au temple du dragon. Mais... Attends, j'essaye. Ne bouge pas, hein. Bouge pas. C'est tout bidon, ça. Bah, tiens, je suis sur le rouge. Ah, c'est bidon. Attends, je fais quand même pour voir. Après, bien sûr, c'est un aller-retour, hein, mais si au retour tu tombes, après, là, t'as le droit de... Aussi difficile que ça. Vas-y, te regarde. Le jump là, il est celui-là aussi. Fais pas attention à moi. Allez, tu pourras respawner. Bien, voilà. Donc si tu tombes, tu respawns là. Enfin, tu retournes là. Voilà. Tu remets là. T'as de la chance qu'il n'y a pas de temps. C'est même un beau décor, hein. Vraiment. Vraiment. Rien à dire. Toi, t'as moins de difficultés que le Swax 27. Hein. Lui, il a mis 3 plombs à arriver jusque là. Sans vouloir manquer de respect. Hein. Il a mis du temps. Hein. On a dû faire des coupures en plus. Voilà. On a dû faire des coupures. C'est pour ça que ça a été gâché, justement. Mais bon, c'est pas très bien. Et aussi, je tiens aussi à dire que dans la saison 1, ils ont triché. Là, je tiens aussi à le dire. Parce que. C'est quoi ce là? Un saut de 3. Ah bon? Le saut de 4 il est facile aussi. Vas-y, c'est tout bidon. Regarde, attends, bouge pas, je te le fais en 2-2. Voilà. C'est donc. Voilà. Ah, il y a une surprise qui t'attend là-haut. Elle commence à faire nuit, donc on commence à rien voir. Aïe.
Non, mais t'es au courant, tu peux passer dans la diagonale, ce qui te fera... Regarde, tu passes dans la diagonale, et puis ça te fera moins de... marche à faire. La musique du générique n'a pas changé. C'est énervant. Hein. Passe dans la diagonale. Voilà. Concentration. J'ai pas. Alors, bah vas-y. Faut... la diagonale comme ça, c'est un petit peu plus facile. Voilà, ici ça c'est un saut de 2, ça doit être facile quand même, le saut de 2. J'ai pas l'habitude de sprinter. Voilà, regarde, c'est bien compliqué, je te fais même des alertes, t'inquiète, fais pas attention. Faut pas te rendre, vas-y, vas-y. Allez, le dernier show. Concentre-toi, allez. Tombe pas en arrière, attention, t'es au bord. Oui. Vas-y, maintenant, tu sautes sur la pomme. Et tu montes. Pas ici. Non, pas ici. Pour valider ton truc, il faut que tu marches sur la plaque de pression qui est en haut. Normalement, il y a un message qui t'attend. Wow. C'est dans le coin, là. Pour monter, c'est dans le coin. Ah, derrière toi. Ouais. Non, derrière toi. Oui. À droite. Droite, ouais. Avance. Hein? Tu fly. Et voilà. Ah. Ah, il a enregistré. Il y a un message. C'est rapide. Hein? C'est juste en face. Non. C'est vraiment. Enfin, je veux dire, ton ordinateur, il n'est pas vraiment compatible pour. Donc c'était prêt en fait. Fais pas attention à ce qui a marqué. Donc but du jeu, faire le parcours. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire un parcours. Alors avant, je vais t'allumer tout. Mais tu bouges pas de là. Je vais tout allumer. Et normalement, tu dois croiser des leviers sur le chemin. Tu les actives, ce qui va te faire activer une petite salle où il y aura un levier. Tu l'actives, ça va te faire activer une nouvelle salle, etc. Jusqu'à ce que tu arrives. Okay, ça va, ça. Ouais. Ok, je t'ai éclairé tout. Donc, faut que j'active des leviers. Non, en fait, tu dois activer les leviers que tu trouves sur ton passage. Tous les normalement t'auras okay. Quand tu actives un levier, ça t'ouvrira une porte. Enfin une porte, ça t'enlèvera un piston. Après, tu vas de l'autre côté, tu vas dans la salle, tu auras un autre levier. Donc tu cherches bien, tu auras un autre levier qui va t'activer un autre truc, tu vas t'activer le levier, etc. T'es prêt? Ok. Attends, ça dure ouais. Combien de temps? 2 minutes. Alors, t'as 2 minutes pour faire ça. T'es prêt? Attends. Je mets le chrono. 3. Alors entre bien la salle. 3. Alors si jamais tu sors pas à temps, t'es fait prisonnier. Hein. C'est comme dans Fort Wire. 3. 2. Mets-toi déjà à l'entrée là. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, bah, t'as compris le but. Ethan il a mis au moins 5 minutes à le faire. Là tu fais le chemin. Vas-y. C'est presque. Continue le chemin.
Voilà. Ah bah ça va, t'as compris. Non. Et tu marches sur la plage. Oui, il a enregistré son truc. C'est pas. C'est bien, tu peux revenir. Voilà, bah. En 43 secondes. Ça va pas mal. 43 secondes alors que le 157, il en a fait que 5. Je veux dire, c'est incroyable, c'est un miracle. Je suis tombé sur un vrai ninja. Enfin, ninja, ça c'est pas vraiment des ninjas. Allez, on Voilà. revient. Épreuve suivante, jump. Ok, vas-y. Donc, c'est la dernière épreuve de la journée. Enfin, de cet épisode. Alors, je vais t'éclairer. Alors, normalement, tu dois avoir tout simplement une chose pour sauter. Et puis normalement, donc voilà, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Quand t'es arrivé ici, tu vas là, tu t'enregistres ton truc, tu montes, donc tu continues à monter. Enfin, tu montes, voilà. Après, tu arrives ici, tu regardes le panneau, et puis après, tu trouves un moyen pour ressauter ici et faire le trajet inverse. Si tu tombes plus de 11 fois, tu vas en prison. T'es prêt? 3. Alors, ouais, 3, 2, 1, et c'est parti. N'oublie pas qu'il y a des poteaux qui s'enlèveront. Alors, attends, je te montre comment. Voilà, mon record, c'était 7 secondes. Et alors, hop là, c'est tout simple. Rien de bien compliqué. Vas-y, voilà, déjà ici. Tu fly et tu retournes. Normalement, tu devrais retourner là. Une petite porte. Si tu tombes au bout de 5 fois, j'enlève le sol. Enfin, j'enlève quelques poteaux. T'as juste à marcher là. Tu marches en direction du petit cœur. Sinon, tu sautes sur celui-là. Non, on sait pas celui-là. Bah, tu reviens en arrière. Aïe, je le savais. Deuxième saut de raté. Troisième saut de raté. Donc, on a fait une légère coupure de 2 jours, voire un jour. C'était un jour, oui. Donc, le skin est enfin changé, peut-être pas pour moi, mais bon, mais pour lui, en tout cas, oui. Donc, ninja rouge, rouge. Alors, vas-y, t'avais déjà 3 essais de perdu, bah maintenant, t'y retournes. Allez, c'est parti, coco. Allez, encore un essai, et après, j'enlève les poteaux. Et puis, tu seras obligé de... Allez, vas-y. Ok, c'est bon. Alors, tu retournes. Tu te mets là. Tu regardes bien les poteaux, j'en ai enlevé. Ah oui, oula! Ah oui, carrément. Et là, normalement, tu as une petite entrée en bas. Et donc, se dire que si jamais tu tombes, bah, tu passes par là, tu fais le chemin et tu reviens ici. Vas-y. Encore 6 essais, puis après, tu vas en prison. Mais maintenant, t'as pas le choix, t'es obligé de prendre le... T'as la peau jaune? Ah non, pas la peau jaune. La peau jaune. Ah, pas mal. Là, il se débrouille pas mal. Fais pas attention. Hop, 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 hop. Allez. Maintenant, non, tu failles pas. Voilà, tu vas à la porte. Et tu me suis. Non, tu fly. Avance. Et tu feras pareil comme ça à chaque fois que tu tombes. Plus que 5 essais.
Ah, pas mal. Mais non. Tu te plantes là. Non, où est-ce que tu vas? C'est dans l'autre sens. De l'autre côté. Non. L'autre côté. Non. Avance. Avance, avance, avance. Non, dans l'autre sens. L'autre côté. De l'autre côté. Tu vas tout droit. Tu vas tout droit, t'inquiète. C'est vrai que je devrais quand même mettre des torches. T'indiquer le... Ça, si jamais tu tombes, tu sors. Parce que je sais pas où je suis. Attends. Tu sais pas où t'es. Bah là. Ah. Mais c'est où? Tu montes. C'est où là? Monte. Non mais pas par là. Fais demi-tour. Tu montes. Ah. Faut que tu fly là. Fly, je sais même pas si ça se dit comme ça. J'ai entendu ça d'un... personne qui... Après, c'est pas trop. C'est pas si c'est le bon mieux, fly. Hop là. Plus que... Bah, toi, tu sais, malheureusement. Je crois. Non, allez, on va dire... On va te donner 4, c'est... C'est un petit cadeau. En tout cas, il faut aller lui partir maintenant. Le but c'est que tu t'améliores même pas. Bah oui, maintenant que le petit poteau est parti, voilà, t'as plus que 3 essais et puis après tu vas en prison. Enfin, tu iras en prison à la fin de l'épisode. Hein. Hop là, 2 essais. Hop là, un essai, 13. Comment je me dirige, j'essaie de me débrouiller. Si je tombe, c'est juste une attention. Attends, bouge pas, hein, tu restes là. Ah, oh, punaise, je lag. Je lag un petit peu, permis. Ah, oh, punaise. Je lag, t'inquiète, je lag. Oh. Ah bah oui, le micro. Oui. C'est vrai que quand on lag pas, c'est plus facile. Vas-y. Oui, tant pis. Ah bon, là, c'est voilà. Terminé. Désolé. Pas bon jump. Attends. Ah punaise, oui. Enfin bref. Vas-y. Pas bon jump, désolé. Hein. Pardon. Bien, tu descends. Bon ben une épreuve que j'aurais pas su faire. Voilà, bah on va te mettre en prison. Non. Suis-moi. Parce que c'est déjà la fin de l'épisode 1. On se dit... Quelque pression. En tout cas, ça prouve que c'est grand. Hein. Si vous voyez sur la carte, c'est vraiment...
Et la prison est juste. Voilà. Porte, c'est vraiment sécurisé. Vas-y, entre. Ah, t'es bien dedans. Entre, entre, entre. Voilà, et bah tu vas rentrer là-dedans. Oh. Là-dedans. Vas-y, il sort, quoi. Je m'en fiche. T'es en prison. Allez. Et voilà, donc on se retrouve à un prochain épisode de The Ninja saison 2. Salut tout le monde et bye. Ciao tout le monde. Salut.